biso ataba pasi e singeli o pesa yango nyonso na Yesu aleluya pesa yango pesa yango aleluya pesa yango nyonso na Yesu pesa yango pesa yango Abikisa, apambolaka, yende apesaka, apesaka, bomoi, Yesu yende apesaka, apesaka, bomoi, yende abikisaka, yende apambolaka, apesaka, bomoi, Yesu, aleluya, yende apesaka, apesaka, Libiki na biso ezali na maboko na ye. Ah, bomoi na biso ezali na maboko na ye. Alleluya, libiki na biso ezali na maboko na ye. Yaya elonga na yo ezali na maboko na ye. Deko elonga na yo ezali na maboko na ye. Donc, il est succombé de l'ensemble, ma boko kasi. C'est merveilleux. Et ça, pensa qui toko. Le thème de ce matin. Maman, li kambou ya tongo na lelo. Puisque Jésus est notre bouclier. Lokola Yesu azali ngumba na biso. Alors, nous allons voir les trois grandes défaites de qui? Yann. Toko longa ba défaite misatu ya Satana. Devant qui? Liboso na nani? Devant. Liboso na Yesu. Ancien. Wakala. Ma joie est très grande d'être avec vous ce matin. Alors que nous allons partager la bonne nouvelle. Wana toko kabola sango malamu. Il est vrai que ça fait quand même un bout de temps que. Ya solo mwa bangonga batango eleki.
Je n'ai pas fait ce ministère. Nasala ki lisusu lotomo oyote. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Kasi kembo zonge pa ya nzambe na biso. Qui a permis que vous et moi nous soyons vivants devant le Seigneur. Oya pesi ete biso ngai na yotosa na bomo ilosona nkolo. Parce que ce sont les vivants qui glorifient le Amen. Seigneur. Amen. Peteza ba bazana bomo inde bakumisa kankolo. Puis j'ai vu descendre du ciel. De na moni kokita uta lola. Un ange. Angelou. Qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Quel était le rôle de la chaîne? Quel était le rôle de la clé? Il saisit le dragon. Parce que son travail était de saisir le dragon. Et de le mettre hors d'état de nuire. Pour qu'il cesse de faire du mal aux enfants de Dieu. Il saisit le dragon. Asimba ki dragona. Le serpent ancien. Nyoka ya kala. Qui est le diable et Satan. Oya zali zabo lo pe Satan. Et il est lié pour 1000 ans. Akanga ki na bambula wana 1000 ans. Vous pouvez au verset 3 mes frères et sœurs. Okoko kokoba na verset 3 bande ko mani ngami. Et le verset 3 nous dit. Il le jeta dans l'abîme. Akwa ki bangona katsa libulu. Et cela l'entrée au-dessus de lui. L'icolope a dit qu'il ne séduise plus les nations. Jusqu'à ce que les mille soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous voulons parler de quatre défaites. Mais je veux mettre un accent particulier sur les trois grandes défaites visibles de Satan devant Jésus. Quelles sont les trois grandes défaites visibles de Satan devant Jésus? Je voudrais vous rappeler d'abord pour ceux-là qui ont la brochure, le code du sabbat. Il est chargé de l'école du sabbat, l'association. Ça sera une honte si vous manquez la brochure. Qui parmi nous a eu la brochure pendant le trimestre? Non. Qui parmi nous n'a pas eu la brochure? Qui parmi nous n'a pas la brochure? Ah ouais, non, mon erreur, soit quitté. Bon, c'est quand même 1%. Ah, pourcentage. Mes frères et sœurs. Bande de Balingami. Nous sommes en train de parler de la brochure. Et nous voyons les trois grandes défaites de Jésus-Christ de Satan. Bah, défaite misato à Satan. Ces trois grandes défaites sont visibles. Nous avons déjà vu ces trois grandes défaites dans la Bible. Mais il y a une quatrième qui arrive. Kasi amine ye zali koya. Pour que cette quatrième arrive, kasi pete amine ye ya. Il faut la participation de chacun d'entre nous. Quelle est la première défaite? Défaite ya libosu ezali. Jésus-Christ, vous avez vu les conditions dans lesquelles il est né. Bon, et quel était le travail de Jésus-Christ? Jésus-Christ avait une mission. Et cette mission est clarifiée à Jean chapitre 3 verset 16. Et mission Et quelle est cette mission? Jésus-Christ, Dieu a dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque de toi ne périsse point. Mais qu'il est quoi? La vie éternelle. Alors que la mission du dragon, la mission du diable, c'est que vous et moi, nous ne soyons pas sauvés. Parce que la sentence du diable est déjà prononcée. Et c'est comme ça que lorsque vous lisez à Matthieu chapitre 2, nous allons voir la première défaite de Satan. La première défaite de Satan visible devant Jésus. Quand vous lisez au verset 8, la Bible 8, dit, Bible puis il a envoyé à Bethléem. Puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations exactes. Sur le petit enfant. Quel est ce petit enfant?
Mwana na mkenani. Et Jésus-Christ. Yesu Christ. Quel était le rôle de Jésus-Christ? Kusala Yesu zalaki. C'était nous délivrer. Ya kokango la biso. De l'esclavage. Na boumbu. De Satan. Ya Satana. Et lorsque. De tango. La naissance de Jésus-Christ. Botama ya Yesu. Est annoncée. Et talisa. Hérode. Hérode. Il va envoyer le masque. Pour avoir des informations exactes. Sur la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il estimait. Qui et en dehors de lui, et il ne devrait pas avoir un autre chef. Allez, Bokende. Et prenez des informations exactes. Si les petits enfants, likona mwana wana, quand vous l'aurez trouvé, tango bino boko mona ye, faites-le moi savoir. Boye bisangai, afin que j'aille aussi moi-même faire quoi? L'adorer. L'adorer. C'est lorsqu'il part. Lorsqu'ils arrivent. Et qu'ils constatent que Jésus-Christ était Yesu. Les rois de moi. Continue à conti. Abotamaki. Ils vont faire quoi? Bako sala nini. Ils ne rentreront plus par et ils vont esquiver le roi Hérode. Et lorsqu'ils vont esquiver le roi Hérode, c'est comme ça que vous allez voir au verset 16. Donc, moi, verset 16. C'est ce grand défaite du diable. Lorsqu'on nous dit, alors Hérode voyait qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans. Et au-dessous, qui était à Bethléem, tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. C'est comme ça qu'Hérode va dire. De toutes les façons, dans mes calculs, il se pourrait que Jésus-Christ est né à l'intervalle de 2 ans. C'est-à-dire, pour éliminer ces garçons, je dois faire quoi? Je dois l'éliminer avec tous les autres enfants. Et c'est parmi ces enfants-là, mal, qu'il va se retrouver Jésus-Christ. La première défaite. Lorsque Bethléem, lorsque Hérode, Hérode va tuer tous les enfants, et deux ans, Jésus-Christ ne se retrouve pas parmi Yesu katia bana wana azalaki te. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas parmi Yesu azalaki na kati te. Et c'est comme ça que quelques temps après ta la mort de Jésus de Hérode, les enfants Jésus-Christ wana Yesu va encore réapparaître na kati ya bato. Peine perdue. Musala pamba pour Hérode. Pour Hérode. Peine perdue pour les diables. Lui qui pensait qu'il a anéanti le fils de Dieu. Lui qui disait qu'il a anéanti Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, Emmanuel, est au milieu de nous. Il n'a pas su le faire. Mes frères, je voudrais vous rassurer que quiconque fait la guerre contre Dieu, quiconque fait la guerre contre toi et qui veut t'empêcher d'accomplir la mission de Dieu, il a déjà échoué. Amen. Il a déjà échoué. Et il ne réussira jamais. Si vous voyez quelqu'un combattre le travail de Dieu, combattre l'église, je peux vous autoriser. Il a commencé à faire son matanga. Parce qu'il ne réussira pas la mission. Et sa mission ne verra pas la fête. Première défaite. Alors qu'il passait à avoir éliminé le fils de Jésus, il va échouer. Et Jésus-Christ va être parmi les vivants pour accomplir la mission. Deuxième défaite. Défaite du diable. Il y a Satan. Nous les voyons à Matthieu chapitre 4. C'est beaucoup de versets.
Mais vous allez voir que à partir du verset premier, où Jésus-Christ est tenté, et lorsqu'il est tenté, quelle est la réponse de Jésus-Christ? La première réponse de Jésus-Christ, c'était quoi? Lorsque Christ est tenté dans le désert par le diable, face à face devant Satan, quelle est la phrase qu'il a prononcée qui a ouvert la clé à sa victoire? Il a dit, il est écrit, Jésus-Christ s'est servi de la parole de Dieu pour vaincre Satan. Et c'est comme ça qu'au verset 13, la Bible est en train de dire, Luc chapitre 4, Lucas chapitre 4, verset 13. Ça, c'est la deuxième défaite. Wana zali défaite ya mibale. Du diable. Ya Satana. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, na sima ya koluka kumekae na balolenge ne nyoso. Le diable s'éloigna de lui. Ezabola kena ki mosika ye. Jusqu'à un moment favorable. Mwa tango oya moni ya mali. Lorsque Satan, tango Satana, ne parvient pas à arriver à sa mission, lorsque Satan, échoue dans la tentation contre Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Il y a une séparation. Il s'est séparé de qui? De Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tenir bon. Et tant que nous tenons bon, il arrivera un moment où le tentateur, le diable, va faire quoi? Il va s'éloigner de nous. Parce qu'il va trouver que celui qui est à nous est plus fort que lui. Lorsque le diable tente Jésus-Christ et qu'il utilise la parole de Dieu, qui avait cette parole, il était déjà en prière, il était en train de déjeuner, il a trouvé que ce qui était à Jésus-Christ est plus fort, plus puissant que lui. Et c'est comme ça que le diable va s'éloigner de toi. Tu veux que le diable s'éloigne de toi? Sois avec Jésus-Christ. Amen. Marche avec Jésus-Christ. Travaille avec Jésus-Christ. Utilise la puissance de Jésus-Christ et tu vas voir que le diable va se séparer de toi et ça sera sa défaite. Voilà la deuxième défaite, voilà défaite que le diable va avoir visiblement devant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. La troisième défaite, défaite c'est là où les choses se compliquent. Comment les choses se compliquent? Judas livre Jésus-Christ. Judasi ateka ki Yesu. Et le diable dit, bon, ça y est. Okay, malam. Parce que maintenant, je crois que je suis le victorieux. J'avais cherché à couper ta tête. Na luka kina kata moto na yo. Tu avais disparu, tu étais parti yo, en Égypte. Okay, na Égypte. Et c'est un moment, j'étais tenté pour te donner tous les pouvoirs de la terre. Tu as utilisé une puissance que moi je n'ai pas. Et maintenant, cette fois-ci, je t'ai eu. Et c'est celui qui est au milieu de, autour de toi. C'est lui qui tient le trésor. Les grands trésoriers du groupe. Je l'ai utilisé. Tu ne vas pas échapper. Mes frères et sœurs, vous savez ce qui a été autour de ce grand événement où Jésus-Christ devait être livré. Et lorsque Jésus-Christ est livré, malheur au diable. Parce que lorsque Christ meurt, il Christ voit Christ mourir sur la croix. Il dit, je l'ai eu. Cette fois-ci, il est mort. Et on a constaté qu'il vient de mourir. On a fait descendre Jésus-Christ sur la croix. On l'a amené dans le tombeau. Na kunda.
Et lorsque la main est dans les tombeaux, le premier jour, le diable a fait sa grande fête. Le deuxième jour, il a fait sa grande fête. Mais il y a un événement où on a dit, envoyez les soldats à côté de la tombe pour que nous soyons rassurés qu'il est là. Et c'est comme ça qu'on va envoyer une grande garde, une garde spéciale pour garder les tombeaux. Et les diables étaient sûrs que ces hommes-là, j'ai confiance à eux et le travail qu'ils sont en train de faire. Même les disciples ne seront pas à mesure de venir voler le corps de Jésus-Christ. Qui t'a dit que c'est le corps que Christ va quitter? La tombe est morte. Jésus-Christ devait quitter le tombeau vivant, na bon en train de marcher lui-même, sans qu'il soit tenu par la main. J'avais Johannes chapitre 20. Si vous lisez à partir du verset premier, on nous dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Magdala se rendit au sépulcre de le matin, comme il faisait encore obscur. Il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous savons où on l'a mis. Mes frères et sœurs, au troisième jour, pendant que les diables étaient fait la grande fête, le tombeau était déjà vide. Et Jésus-Christ, il quitte la tombe après des marchés de lui-même. Je voulais te dire que lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu vas marcher de toi-même. Amen. Tu vas marcher de toi-même. Et même ceux-là qui étaient en train de dire, nous l'avons. Et ton il va s'étonner mais que de lui-même il est en train de marcher. Tu vas quitter les lits des malades toi-même en train de marcher. Tu es avec toi. Le diable il était très confondu. Satana, la troisième défaite, défaite ya misat du diable ya Satana. Quelle est cette troisième défaite? Défaite nini wana ya misato. Jésus-Christ qui était mort. Yesu akufaki. Il est vivant. Azana bomo. Il est parmi les vivants. Azana kati na bato bomo. Au troisième jour. Na misato. Et c'est comme ça qu'il va dire. Yangwana koloba. Dis-le de faire quoi? Awe bosa nini? De me suivre à Galilée. Bola ndangai na Galilée. So ceux-là qui doivent me suivre. Baba kolandanga. Ceux qui acceptent. Ba oba sa kondima. Que je suis leur sauveur. Et tenazali oya bango bopiki. Mes frères et sœurs. Bado passe mibal. Là, les trois défaites. Dalla ba défaite au misato. Du diable. Ya Satan. Et ces trois défaites sont réelles. Et pourquoi devons-nous suivre un homme qui est déjà vaincu? Pourquoi suivre un homme qui est faible? Dans la brochure de ce trimestre, on a dit Satan, un ennemi vaincu. Moi, je dois dire la vérité. Mais c'est qu'un homme solo. Si Dieu n'était pas fort, je n'allais pas le suivre. Je dois vous dire la vérité. Je n'aimais pas suivre les hommes faibles. Non. Moi, j'aime suivre les hommes forts. Et si tu veux être fort, si tu veux adopter ce système, mes frères et sœurs, vous et moi, suivons Jésus-Christ. Amen. Et nous serons forts avec lui. Nous allons bénéficier de sa force. Parce que celui qui est devant nous, c'est un homme fort. Et il nous rendra fort. Parce qu'il va nous tenir par sa main puissante. Mais il y a une occasion que Dieu nous a donnée pour être fort. Et nous allons voir ce secret-là. Parce que nous aussi, nous voulons pas. Et à la victoire finale, et la victoire finale est proche, et cette victoire finale, c'est ce que nous sommes en train de voir dans notre brochure de ce trimestre. Le secret pour être fort, vous allez le trouver dans le livre de Matthieu. Le chapitre 28.
Na chapitre na yango 28. Jésus s'étant approché d'eux, le verset 18. Yeso apusana ke pena. Le verset 18. Matthieu 28. Jésus s'étant approché. Wana Yeso apusana ke pena na. Leur parla ainsi. Alobeli bango boye. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Allez. Faites toutes les nations les disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes sur le chemin de l'évangélisation, tout pouvoir nous est donné. Je répète, lorsque nous sommes sur le chemin de l'évangélisation, tout pouvoir nous est donné. Vous voulez être parmi les hommes forts, reconnus par Dieu. Annoncez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Et vous allez voir des miracles qui vont s'opérer dans votre vie. Et c'est comme ça que parce que les disciples avaient accepté de bénéficier de ces pouvoirs célestes, partout où ils passaient, ils faisaient quoi? En imposant les mains, les malades étaient guéris. En imposant les mains, les démons fuyait. En imposant les mains, il y avait la paix. C'est ça le secret. Si nous voulons réussir avec Jésus-Christ, faisons aiguille avec lui. Soyons en association avec lui. Lorsque nous sommes en association avec lui, il n'acceptera pas que nous puissions échouer. Parce que si nous échouons, c'est lui qui échoue. Oh notre Dieu, c'est Dieu merveilleux. Il ne peut pas accepter que là où il est, qu'il puisse dire qu'il y a un échec. Il n'y aura pas d'échec là où il y a Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'échec. Lorsque vous êtes sur le chemin de l'évangélisation, hier j'étais en train de regarder le chantier de notre église. Et je me suis dit que cette église, c'est un instrument d'évangélisation dans ce quartier. Et je me suis rassuré que parce que c'est pour la gloire de Dieu que nous sommes en train de construire, il n'y aura pas d'échec. Amen. Le chantier ne sera plus chantier. Bientôt ça sera une belle église. Parce que c'est lui qui nous a engagés dans l'œuvre. Il n'a jamais échoué. Luc chapitre 4. Il y a quelque chose que nous devons voir, mes frères. Luc chapitre 4. La Bible dit à partir du verset 14. Mais c'est le verset 18 qui m'intéresse. À partir du verset 14, on dit Jésus revêtit la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire même Jésus est revêtu la puissance de l'Esprit. Nous aussi, quand nous acceptons et faisons la mission de Jésus-Christ, nous sommes aussi revêtus de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtit la puissance de l'Esprit. Retourna à Galilée et sa renommée répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié partout. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Bon, akosala litangi. Et on lui remit le livre des prophètes. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, toutes les fois que nous allons accepter d'annoncer la bonne nouvelle, l'Esprit du Seigneur sera sur nous. Et l'Esprit du Seigneur est sur nous. Nous allons réussir dans la mission.
il n'y aura pas d'échec. Et je voudrais vous dire que Dieu n'a jamais planifié un quelconque échec pour sa mission. Non. Et si vous voulez réussir, fait que Jésus-Christ, yes, associez-vous à sa mission Zangala na et vous allez voir vos affaires allez d'aller de l'avant et vous allez voir okomona dans votre vie na kasa bomo na yo. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au peuple. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur ébranlé, pour proclamer la délivrance et aux aveugles et couvrement de la vie, pour l'envoyer libre des opprimés, pour publier une nouvelle année de grâce du Seigneur. Yankolo. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Oui, Seigneur, tomituna. Pourquoi? Pour nanini? Les soi-disant peuples de Dieu ne sont pas en train de faire cette mission. Bazali ko sala musala yangote. Pourquoi on ne fait pas les choses? Il est difficile. Et ça passe. D'aller dire à quelqu'un Kolobanamoto qu'il faut observer le sabbat. Et c'est une cotosa sabbat. Lorsque vous-même, tango yomoko, vous êtes en train de profaner le yomoko sabbat. Yomoko zaliko tuka sabata. Vrai ou faux? Vrai. Parce que lorsque vous allez adorer les commandements, lorsque vous arrivez au commandement du sabbat, ta voix va baisser. Obando tatabana. Vous n'allez plus avoir la même tonalité que vous aviez. Si vous êtes voleur so et que vous arrivez et au commandement qui dit ne dérobez point, wana, et vous savez wana, que vous êtes voleur, lorsque vous allez arriver à ce verset-là, ta voix va baisser. Et vous allez avoir tendance d'ailleurs de sauter le verset. Et d'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup de commentaires sur le verset. Parce que peut-être que la personne que vous enseignez, il sait que vous avez fait un deal avec lui, parce que vous avez détourné de l'argent quelque part avec lui. Et vous n'avez pas le courage, parce qu'il peut te dire, mais vieux, tu sais que nous avons fait, ce qu'on a fait là, c'est dit. Et c'est comme ça que parfois, lorsque nous sommes quelque part, tantôt Sika, va dire, Malobi, même vous les adventistes, c'est-à-dire quoi? Le public est en train de nous accuser. Et lorsque on dit même vous les adventistes, c'est difficile d'entrer encore avec l'évangile là-bas. C'est une façon de vous chasser. Parce qu'on dit vous êtes moins compétent, vous êtes moins sérieux par rapport à vous. Voilà pourquoi plusieurs parmi nous ne veulent pas être sur le chemin de l'évangélisation, parce qu'ils se reprochent beaucoup de choses. Je voudrais que ce matin, que chacun d'entre nous, qu'il puisse examine-toi. Pourquoi je ne suis pas sur le chemin de l'évangélisation? Nous sommes bientôt au mois d'avril. Nous devrions commencer déjà avec les TMI. Est-ce que nous avons pris disposition? À commencer par les responsables de l'église, jusqu'aux membres du comité, jusqu'aux membres. Est-ce que chacun d'entre nous a pris une disposition pour annoncer la bonne nouvelle? Si nous n'avons pas pris disposition, c'est parce que nous n'avons pas fait un deal avec Jésus-Christ. C'est parce que nous nous reprochons de beaucoup de choses. C'est le moment de nous ressaisir, parce que la Bible est claire. Christ a donné tout Christ pouvoir à quiconque. Na oyo nyoso. À quiconque. Na oyo nyoso. Accepte la mission. Azali kontima mosala. Choisis déjà ton intéressé. Pona oyo yo ponote ya ye. Si ton intéressé connaît tes faiblesses, ce qui est intéressé na yo ebi ma ben na yo, dis-lui seulement que j'ai déjà changé. Yebi se na sina tika makambo wana. Maintenant j'ai reçu Jésus-Christ. Na sina yamba Yesu. Et que je voudrais que tu puisses être avec moi parce que j'ai déjà changé. Peut-être que tu avais l'habitude de prendre la petite bière au cou avec lui. Et tu veux dire que la Bible ce n'est pas bon. Et plutôt la bière ce n'est pas bon. Et ma non, c'est le moment de lui dire. Chef, j'ai ceci. Maintenant j'ai rencontré Jésus-Christ. Si tu arrives à ce niveau-là, il va dire non, je vais t'observer. Et lorsqu'il t'observe et qu'il voit que tu as changé, lui aussi il va changer.
il est possible que nous puissions vaincre avec Jésus-Christ à la seule condition de nous associer à lui. Je voudrais que nous puissions répéter l'Apocalypse chapitre 20 pour que vous puissiez comprendre que le diable est déjà vaincu. Inutile de le suivre. Et d'ailleurs, ceux qui ont les brochures de l'école du sabbat, j'étais très content, mes frères et sœurs. Lorsqu'on a dit que il y aura un problème, pasteur. Je remercie le pasteur parce que maintenant il y a. On a constitué un groupe de ceux-là qui veulent faire étudier l'école du sabbat. Et chaque soir, je vois beaucoup d'interventions sur la ligne. Na poko ana ligne ya WhatsApp. Il y a beaucoup d'interventions. De ba intervention za liebele. Et je commence même à recevoir des interventions à partir de l'étranger. Kutu monsieur c'est comme où ta tina mamboka ba pa ya libanda. On est en train de nous poser beaucoup de questions. O basa kutuna biso mitune ebele. Et c'est devenu un beau travail, pasteur, merci. Et salam, parce malamo, que nous avons quitté le chômage. Nous sommes vraiment au service du Seigneur. Et nous devons savoir que lorsque nous sommes en train de suivre le diable, nous sommes déjà sélectionnés parmi les vaincus. Et c'est comme ça que dans notre brochure, on a dit que ceux-là qui vont suivre le diable, à un certain moment, ils vont s'attaquer au dragon. Ils vont dire, tu nous as trompés. Maintenant, nous avons vu ta faiblesse. Tu ne parviens pas à arrêter les plaies qui sont en train de nous tourmenter. Parce qu'il y aura des grands plaies. Pointe, ma pointe, au point que Pino, les gens vont dire nous avions commis l'erreur, mais ça sera déjà trop tard parce qu'ils ont suivi pointe, un homme qui est déjà vaincu. Pointe, pourquoi les suivre? Et c'est comme ça que la Bible est claire. On dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Quel était son travail? Il saisit les dragons. Et lorsqu'il saisit les dragons, toi aussi tu es saisi avec les dragons. Toi aussi tu es coupable avec les dragons. Toi aussi tu es vaincu avec les dragons. Et c'est comme ça que mes frères et sœurs, nous devons prendre la position claire. La position de suivre qui? De suivre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est cet homme-là qui est plus fort. C'est lui qui a vaincu les diables. Et nous devons le suivre parce que lorsque cet ange descend, il va saisir le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il va les lier pour mille ans et il va les jeter dans l'abîme. Mais la Bible dit, ça sera une grande joie pour nous qui avons suivi Jésus-Christ, parce que nous allons savourer la victoire de Jésus-Christ. Nous allons bénéficier de la victoire de Jésus-Christ parce que nous avons suivi l'homme fort. Et cet homme est fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quiconque accepte de s'associer à Jésus-Christ, il est déjà vainqueur. Il peut déjà fêter la victoire parce que la victoire est déjà proclamée. Je ne sais pas si vous avez lu, si vous avez bien chanté notre cantique. Vous savez, quand nous chantons, nous devons faire très attention. C'est un engagement que nous prenons sans le savoir. Et si vous savez que vous n'allez pas être sur le chemin de l'évangélisation, si vous pensez que vous n'allez pas faire édule avec les Seigneurs, il n'est pas bon de chanter ces cantiques. Parce qu'on dit, à la deuxième partie, partout élève la voix, Jésus sauve. Aujourd'hui, il sauve quel jour? Aujourd'hui et maintenant. Vaillant héros de la croix, est-ce que tu peux dire que toi tu es vaillant héros de la croix lorsque tu as refusé d'être en association avec le plus grand héros Jésus-Christ? Pour que tu sois vaillant héros, il faut t'associer au plus grand héros Jésus-Christ.
Vaillant héros de la croix. Mon Jésus sauve aujourd'hui. Yesu akobik salelo. A parler, Jésus t'appelle. Na kolobelete Yesu akobianga yo. Pendant que Jésus t'appelle. Wana Yesu akobianga yo. Pendant que Jésus appelle les Wana mondes. Yesu azali kobenga il est en train de t'utiliser. Azali kosalela yo. Et lorsque Dieu t'utilise. Tangu Yesu azali kosalela yo. Sa puissance. Guyana yi. Il va les transférer chez toi. Akotia yango epai na yo. Pour que tu accomplisses ces petits éléments. Que ça na bosembo nyonso. Mes frères et sœurs. Bandeko balingami. Nous devons faire très attention. Essengeli toke ba penza. Apocalypse chapitre 22. Mokanane moni seli chapitre 22. Verset 20 et 21. Verset 20 et 21. Celui qui accepte ces choses dit. Oya zonti mama kambo ya loba. Oui. Io. Je viens bientôt. Na zozonga kalate. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Yaka zonga kolo Yesu Kristo. Que la grâce du Seigneur. Tikete ngolo na kolo Yesu. Soit avec tous. Ezala lobo na banso. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nous avons encore perdu qui? Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Plus que vainqueurs, c'est notre devise. Associons-nous avec Jésus. Nous serons heureux. Et la vie éternelle nous est déjà acquise. Nous allons nous mettre debout. Ah, ok. La voix de l'espérance va encore clôturer avec un chant. La voix de l'espérance va construire que ça peut être dans le yombo mosusu. Yo 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 lolo lo fata yo lolo lo fata yo lolo lo fata yo caribitula yo 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 lolo lo fata yo lolo lo fata yo lolo lo fata Car c'est toi qui m'as vu le premier, je t'ai loué mon Jésus. Oh, car c'est toi qui m'as vu le premier. Oh, je t'ai loué mon Jésus. Oh, car c'est toi qui m'as vu le premier. Oh, ni ta mon chocolat.
Mes frères et sœurs, alors que nous voulons nous engager sur le chemin de l'évangélisation, je voudrais que, avant de prononcer ces mots de bénédiction, que chacun d'entre nous dans son cœur qu'il puisse s'engager sur ce chemin. Parce que c'est après avoir annoncé la bonne nouvelle que nous allons avoir la victoire finale avec Jésus-Christ. Engageons-nous avec le Seigneur. Père Tout-Puissant, Éternel et Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné cette occasion de nous engager avec toi, de propager ta bonne nouvelle pour que nous puissions participer à la grande victoire avec toi, où nous allons voir la grande défaite de Satan. Seigneur et Dieu, tu nous donnes le devoir, la mission d'appeler les autres pour qu'ensemble nous puissions participer à cette grande victoire. Donne-nous les capacités de le faire. Toi, tu as dit que lorsque tu nous envoies, tu nous donnes aussi les moyens. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de bénir cette église alors que nous nous engageons de te servir. Bénis tout et chacun d'entre nous, sois le seul pourvoyeur à nos besoins. Que ceux qui sont malades puissent trouver la guérison pour avoir la capacité de te servir. Que ceux qui sont en difficulté physique ou spirituelle soient délivrés par toi, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir le temps matériel de le faire. Et permettez-nous de les armer. Que les ennemis qui étaient en train de nous combattre pour nous empêcher de te servir soient mis hors d'état de nuire. Pour que tous ensemble, nous puissions te servir avec joie. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et que les riches bénédictions du Seigneur qui ont été prévues pour les affaires de Dieu soient aussi votre partage pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.